Bienvenue sur la chaîne Matkar RC. Bienvenue à tous, bienvenue au nouveau. Regarde un peu, là, j'avais fait faire pour mon fils, comme ça, en blanc. Alors regarde un peu comment ça pète, quand c'est en blanc. Ça pète ou pas ? Voilà, donc cette voiture... Eh bien, elle est à gagner sur la chaîne ici, sur la chaîne de Matkar RC. Ok, archi simple pour toi de la gagner. On est avec un petit pirate shooter T2M, un buggy, comme tu peux le constater. Faut voir quand même, tu vois, la dimension du truc, toujours comme ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien. T02 SR, mais version ultime de chez oui. Aujourd'hui, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu là, à l'intérieur, sans le faire rouler, le X-Max, parce que ce truc là, en fait, ça n'a rien à dire à part rouler avec. C'est tout ce qu'on peut. C'est pourquoi ? C'est parce que j'ai envie de le vendre. Donc, je vous en parle à vous, j'ai pas mis d'annonce, je vais pas mettre d'annonce. Il n'y a pas le feu là. Regarde un peu ça, on est dans la DTM TA02 avec la carreau de l'Opel Calibra et l'Alfa Romeo Martini 155. Donc, catégorie DTM, 4 roues moteurs, TA02 en dessous. Là, on a le TT02 SRX sur celle-ci, coiffé de la carrosserie de l'Alfa Romeo 155. Donc c'est... Où ça envoie quoi? J'ai rien trimé encore. Premier tour de roue. Deux Arma. Une pour le fiston et une pour le papa. Voilà, on va pouvoir rouler ensemble. Mon fils, il a 5 ans. Et du coup, je suis parti sur des. Je l'ai pris en bleu parce que franchement, la carreau, ben moi je la trouve magnifique. Comme ça, elle est super belle. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, mais je kiffe. Alors autant le marron là, je ferai une présentation peut-être un peu plus détaillée dans une autre vidéo. Pour le Vortex. Et là, on a mis 50% de la puissance sur la radio. Dans les anciennes, en ce moment, dans les anciennes voitures, tu vois. Ah ouais, c'est beau quand même. Ah ouais, c'est beau, les ailes, elles sont larges. Là. Jaune, la Lancia jaune, parce que je sais pas ce que je mettrai en pneu et je sais même pas de toute façon ce que je vais mettre en châssis.
on est quand même bien. On est sur une bonne machine, je trouve. Il y a même les piles de fourni pour la radio. En fait, c'est ce petit engin, ça tient la route, là, sans le bitume. Ça fait pas ça d'habitude, hein. J'avais fait. Là, je suis sur une note. Dites-moi ce que vous faites, vous, si vous préférez les masques en avant ou en arrière. La tombola, c'est aujourd'hui. Le tirage au sort, c'est aujourd'hui. À tous les petits noms, on va juste les plier en trois. En 3, on va tout mettre dans la carrosserie et mon fils tirer parmi vous un gagnant pour cette tombola. Pour ce. C'est sympathique, une petite tombola comme ça, en bordel. Hyper 10SC. T'as Wartel aussi en France comme nous. Donc Obao Hyper 10SC, donc c'est un short curse. Un short curse à l'échelle 1 dixième. Alors un short curse à l'échelle 1 dixième. On est loin des petites tamis habituelles déjà. Ce truc magnifique. Là, on a un vrai châssis en alu. Dessin, tu vois, donc tout simplement j'ai tracé comme ça des pointes là où je vais séparer mes couleurs là et là, tu vois. Donc en gros, toute la partie de devant là, ça va être du blanc, tout ça, ça va être du blanc. Ok, des petites étoiles ou des petits trucs en plus. De la Civic, châssis Tamiya FF03 à l'aérographe par mon ami MK Air Graphics, le TT02 en paquet, tu vois. Il n'y a pas la carrosserie, il n'y a pas l'électronique, il n'y a pas les roues, il y a juste le châssis purement et simplement. J'ai pris ça, j'ai pris un DT03, et oui, parce que le quand tu ouvres le carton, ça se présente comme ça. Et ça, l'ouverture de carton chez Tamiya, on adore. C'est beau, c'est cool. Normalement, quand vous achetez un pas. On a de la place. Les ressorts, j'ai quand même mis les ressorts là, options, parce que je les avais. Après, je pouvais faire avec les options d'origine, les ressorts d'origine. Hein. Le GPS, tu vois, ça marche fort. J'ai oublié de prendre le GPS. Ça, j'aurais dû prendre.
beaucoup en ce moment, donc ça craint un petit peu. C'est super stylé, hein. Ça mérite un peu plus de watts. On est sur le... Donc c'est déjà un petit peu mieux que le 27 tours. Là, on est en 2F, donc ça a un petit peu de mal forcément. Avec des plus grosses performances, à mon avis, on va non plus pas pousser les mets dans les orties. On a une vraie vitesse de pointe au B-Wing que j'avais dans mon short-cœur léger, mais avec un gros moteur. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous remercier. Ça y est, on est passé les 2000 abonnés. Ouais, c'est énorme. C'est juste énorme. C'est pas du tout là. Je vais emballer ce Outcast Arma. On va parler Arma. Ce Outcast, tu vois, j'ai la boîte ici parce que je vais l'emballer, je vais le mettre dedans et normalement il est vendu. C'est pour ça. Donc on a 02, tu me contactes parce que j'aurai sûrement la Lancia si tu suis la chaîne. Donc il me fallait des roues pour rouler sur bitume. Tu vois là le profil. C'est pas. Ok, et du coup dans le carton on a quoi? Eh bien on a le kit Tamiya. Là, Porsche 911 GT3, type 992. Je te présente mon nouveau joujou. Regarde un peu ça. Dishwatcher XL 6S RTR. On est bien comme ça. Hein. Ça se passe bien. Wow. Encore une fois, mais mille fois, je pourrais dire tout le temps. Merci à David. David, vraiment un gars en or. Il nous fait plaisir, il nous envoie des vrais trucs quoi. Super bien. Donc, tu vois, on va hop, on tient les trucs. On garde un peu. Yes. Un Kraton 6S. En plus c'est le bleu, j'adore le bleu. Là, je pense que ça va marcher quand même. Hein. Hey, bonjour à tous, aujourd'hui on est reparti avec la Rilly pour son troisième pack. Donc là je pense qu'on va deuxième pack, il n'y avait plus du tout de... Je sais pas si tu vois là, le dessin comment il est. Ouais, la dernière fois j'ai voulu sans l'éclipse pour ceux qui ont vu la vidéo. Plus autant devant, avoir le VE derrière. Ah ouais.
Voilà. Voilà, deuxième coup au même endroit. Mais comment on fait pour la gagner? Parce que moi je la veux, elle m'intéresse. J'avais dit depuis que j'ai repris après mes vacances, Mathéo, parce que tu vas passer à côté de trucs. Combien de commentaires cette personne avait mis. Et aujourd'hui, on est avec une Tamiya TT02. Oui, encore. Et ben, je vous ai fait un châssis tout neuf d'origine. Hein, ok. Il a jamais roulé, en hydraulique elle est montée comme à l'origine. Il est beaucoup plus léger, hein. Il y a plus de. Il y en a un kilo. C'était la chape de l'amortisseur, elle est cassée. Donc décidément, ouais c'est cool, hein, il est plus 0,3, mais ça fait plein de temps. Si. Oui. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui je te présente mon nouveau moteur sur Passobi 3800 kV 3665 pour GRP. Ça va super bien, ça. Allez, c'est parti. Là au bas haut, en attendant on va tester du coup. Là, il fait 25 degrés, il fait bon, il y a du soleil. Alors on va faire un tour ensemble. Déjà niveau bruit on est pas mal. C'est tôt, finir un peu la batterie. 68. Ah ça manque encore un petit. Il manque 5 km. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler du cretonne de la Tombola, c'est-à-dire que tu as un cretonne à gagner, carrosserie toute neuve. Regarde un peu ça, un beau cretonne comme ça. Avec et bien, bonjour à tous. Enfin, la vidéo que vous aviez tous attendu, toutes et tous, le premier essai du cretonne. Et oui, du cretonne de la Tombola. Petit cretonne. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a sorti le Neo Fighter, le DT03 Tamiya, toujours équipé de brushless et. Le challenge Tamiya. Tamiya Euro Truck Challenge. T-E-T-C. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Tamiya. Ça a commencé il y a quelques années et ça a commencé avec les camions Tamiya. Ils existent toujours et il y a toujours la compétition. C'est les amis, il est temps de swapper ce petit Arma Boost Vortex, parce que ouais, Boost moteur charbon, on l'a passé en 4x4, tu vois le charbon là. Boost, ok, donc je lui ai mis le 3660 Obi-Wing G2 4600 kV et un Quick Run 10 BL 120, donc oui, ça fait pas trop de bruit. Niveau punch, niveau vitesse de pointe, on va pas aller faire que plus loin non plus. Je vais vous parler de la Ready Dishwatcher, celle que tu vois là. Ça y est, je m'en sépare. Ouais, j'ai un peu usé. Tamiya TT02. Si tu veux rouler vite avec, t'as pas besoin d'options. Écoute bien ça. Mais en fin de compte, non, je vais commander carrément en fait le châssis, le MF01X, parce que bah j'ai quand même envie de voir ce que ça vaut.
l'achetez, vous n'allez pas avoir les mêmes choses au niveau de sucre. Si vous l'achetez en France, vous allez avoir T2M qui vont vous avoir glissé certainement en France. Ok, modèle RTR, donc les petits Obi-Wing qui sont très très bien. Donc là, on est sur le Carson, comment ils appellent ça, le Dragster. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je suis de retour avec mon TA-02, Tamiya TA-02, oui. Tu vois, cette belle Opel, elle est sympa. Hein. Franchement, non, vraiment toute fine. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai mis l'option. Une RC au 1/24e. Ouais. Comme tu vois ici, la Golf elle était en bas. Le châssis, tu peux le mettre en deux positions, donc on peut quand même relativement haut. Il est quand même